Quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy because they want something else, so they want more of the same. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre fameux moment de l'intelligence artificielle en santé, NOMIAM. Mon nom est Michael Homelin-Brisebois. Je suis chef de service gestion de projet et innovation à l'École de l'intelligence artificielle en santé. Aujourd'hui, on vous propose d'aborder la planification et la coordination de la prise de rendez-vous et des traitements en cancérologie. Et au menu, on va parler de co-développement, co-implantation et co-mesure de valeur pour les patients, bien sûr, pour les équipes et pour l'organisation. Aujourd'hui, on parle d'un partenariat solide entre Grey Oncology et les équipes du CHUM qui vont être là pour vous démontrer la pertinence de leurs solutions co-implantées et vraiment comment ils répondent aux besoins. Évidemment, on a des événements qui sont interactifs. Vous allez avoir l'occasion de poser vos questions à la fin de la présentation.
vous allez avoir l'occasion de le faire en ligne sur notre LinkedIn Live, celui du CHUM. Donc, bienvenue à vous tous. Merci à vous qui êtes présents ici dans la salle. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir en si grand nombre. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois conférenciers et conférencières. Donc, sans plus tarder, Stéphane Michalowski, qui est physicien médical au département de radio-oncologie au CHUM, ainsi que Caroline Parent, sa collègue, toujours au département de cardio-oncologie au CHUM et qui est coordonnatrice administrative, et ainsi que Raphaël Pio-Roland, VP organisation chez Grey Oncology Solutions. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence. On se retrouve à la fin pour vos questions. Bonne conférence. Bonjour à tous. Merci d'abord d'avoir pensé à nous pour venir présenter un beau projet sur lequel on travaille depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, pour débuter la présentation d'aujourd'hui, laissez-moi revenir sur la mise en contexte du projet, et les problématiques sur lesquelles on voulait travailler avec le projet. Donc, d'abord, on peut dire qu'en cancérologie, on rencontrait des enjeux à différents niveaux. Notons premièrement l'augmentation des cas de cancer. On ne parle pas ici d'une augmentation de l'incidence des cas de cancer, mais bien une augmentation des cas due au vieillissement de la population et des cas de cancer qui augmentent avec elle. Avec ça également, le beau problème, si je peux dire, que l'espérance de vie des patients atteints de cancer augmente. Donc, c'est bénéfique, bien évidemment, pour les patients, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les patients vivent nécessairement plus longtemps en santé. Donc, c'est des patients qui ont quand même besoin d'avoir des soins, autant dans les services de radio-oncologie que d'oncologie médicale. Ajouter à ça la complexification des cas, nous, on l'a vu particulièrement en radio-oncologie où avec la pandémie, souvent, malheureusement, les patients atteints de cancer arrivaient plus malades que ce qu'on était habitué de voir dans le passé, donc dû à des diagnostics ou des dépistages qui se faisaient un peu plus tard dans leur parcours de soins, les patients arrivaient souvent plus malades, donc des traitements plus complexes à mettre en place pour eux. En radio-oncologie également, on voit que les techniques de traitement aussi ont beaucoup évolué. Les techniques de traitement sont de plus en plus complexes également à donner aux patients. Ajouter à tout ça l'enjeu que tout le monde connaît très bien, l'enjeu criant des ressources humaines. Donc, au Québec, on le sait, on a un manque criant de ressources humaines. Et ça se vit notamment auprès du personnel infirmier, du personnel technologue, donc du personnel qui est vraiment au premier front pour traiter les cas de cancer. Donc, vous voyez ici, on rencontrait en fait en cancérologie des enjeux à différents niveaux. Et je n'ai pas encore ici parlé de la crise pandémique qui nous a toutes frappés depuis 2 ans, qui est venue exacerber en fait tous les enjeux qu'on rencontrait maintenant depuis plusieurs années. Alors, bref, en somme, ça mettait vraiment une pression énorme, je vous dirais, pour trouver des solutions puis innover pour répondre à la multitude des enjeux auxquels nos départements faisaient face. Donc, ça met un peu la table au niveau des enjeux le plus macro qu'on devait adresser. Laissez-moi maintenant vous parler du contexte peut-être un peu plus spécifique de la radio-oncologie où, en soi, la planification des rendez-vous de traitement des patients est un processus qui est extrêmement complexe. Et ça, c'est sans considérer l'enjeu de disponibilité des ressources humaines, etc. Donc, au niveau de la planification des rendez-vous en radio-oncologie, nous, dans notre équipe, c'est des technologues, en fait, qui s'occupent de planifier les traitements, les différents rendez-vous des patients. Et les technologues, en fait, ils doivent répondre à différentes contraintes pour planifier adéquatement le parcours de soins des patients dans notre département. Ils doivent, entre autres, adresser les contraintes associées aux patients. Je ne sais pas pour ceux et celles, si vous êtes familiers avec les parcours de soins en radio-oncologie, mais souvent, les patients doivent venir à plusieurs reprises dans le département, donc doivent venir de façon assidue à tous les jours, parfois 30 jours d'affilée. Donc, c'est important que l'horaire qu'on leur propose leur permette, en fait, de respecter leurs contraintes, c'est pour du transport ou un accommodement avec leur vie personnelle.
Les équipes au rendez-vous qui font la planification des traitements doivent aussi jongler avec les contraintes des médecins. Des fois, on essaie d'arrimer des rendez-vous patients avec des rendez-vous avec les médecins. Donc, ça également, c'est un enjeu en soi. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, bien, le personnel doit faire face à une contrainte de ressources où est-ce qu'on veut planifier des rendez-vous de patients, mais malheureusement, on n'a pas nécessairement la disponibilité nécessaire pour faire la planification des rendez-vous et ensuite donner les traitements aux patients. Combiné à toutes ces contraintes, en radio-oncologie, on a 350 plans de soins différents qui sont actifs pour traiter les patients. Donc, des plans de soins qui vont venir influencer le type de planification qui va être faite pour le patient, les imageries qui vont devoir être menées, le type d'immobilisation, le type de traitement. Donc, en soi, c'est une complexité qui est assez importante pour le personnel qui planifie les rendez-vous. On a également aussi une ambiguïté de l'information qui est donnée. Donc, souvent, les technologues qui planifient les rendez-vous, quand ils reçoivent le plan de soins, l'information n'est pas toujours claire de qu'est-ce qu'ils doivent planifier exactement pour le patient. Donc, ils se retrouvaient à aller chercher de l'information à différents endroits dans nos systèmes d'information pour bien planifier les rendez-vous des patients. On a aussi, les technologues doivent faire face à des changements multiples, des changements de dernière minute. Finalement, on était supposé commencer les traitements d'une patiente atteinte de cancer du sein. Finalement, avant de la planifier, on réalise que sa plaie de chirurgie n'est pas encore suffisamment guérie. Donc, on doit faire des changements au niveau des horaires, des changements aussi qui peuvent être demandés par les médecins et même par les patients finalement qui ne sont plus disponibles. Ajouter à ça toutes les règles cliniques, que ce soit des règles cliniques qui sont explicites, des règles cliniques qui sont tacites, qui viennent encore là rajouter de la complexité dans l'organisation des rendez-vous. Donc, nous, à l'interne, on a des différentes contraintes à respecter. Par exemple, une fois qu'on a fait l'imagerie du patient, on donne toujours un délai de 7 jours pour qu'il puisse débuter les traitements. Ou des patients de chimio-conco ne peuvent pas débuter des traitements le jeudi et vendredi parce qu'on doit s'arrêter avec l'oncologie médicale. Donc, plusieurs règles cliniques à respecter. Ajouter à ça les délais ministériels. On a des patients de différents niveaux de priorité. On a une reddition de compte à faire au ministère. Et ajouter pour un dernier point peut-être à souligner, c'est le besoin de notre personnel d'anticiper le futur. Laissez-moi un peu m'expliquer à ce sujet-là. En fait, c'est que nous, au niveau de l'horaire, même si on a des trous dans les prochaines semaines, qu'on voit qu'il y aurait de la disponibilité pour pouvoir débuter des patients, des fois, nos technologues vont être un peu frileuses à l'idée de trop remplir l'horaire au cas où il y aurait des patients plus urgents qui arriveraient dans notre département et qui devraient se faire traiter rapidement. Donc, toute la planification des rendez-vous demande de jongler, en fait, avec ces différents points-là et vous pouvez bien comprendre qu'en soi, c'est quelque chose qui est assez compliqué à résoudre comme problème. Donc, comme vous l'avez probablement bien compris, le terrain était vraiment fertile pour réfléchir à différentes solutions. Et en fait, l'équipe de radio-oncologie réfléchissait déjà depuis plusieurs années à trouver des solutions pour répondre à cette complexité-là puis des besoins qui étaient sans cesse en augmentation. Donc, différentes solutions ont été testées dans le passé puis malheureusement, c'est des solutions qui n'ont pas porté fruit. Et dans l'historique, en fait, du projet, il y a eu des collaborations qui ont été mises en place, notamment qui ont été initiées avec Dr. Roberge, qui était chef médical dans le temps en radio-oncologie, et Stéphane Michalowski, qui est en relation avec la Polytechnique, donc le professeur Louis Martin. Et il y a eu déjà des belles collaborations qui se sont faites dans le passé avec des étudiants qui sont venus dans notre département pour mener des projets de recherche, je vais dire théorique, de comment optimiser la prise de rendez-vous des patients et comment mieux gérer les ressources humaines. Début de l'année, janvier 2020 environ, le professeur de Polytechnique avec Marc-André Renaud ont fondé GRAY-OS et sont venus rapprocher en fait le département de radio-oncologie pour mettre en place un projet qui, à saveur, disons, un peu plus opérationnel. Suite à ça, quelques mois plus tard, il y a eu la pandémie qui est arrivée et avec la pandémie est venue différentes opportunités de subventions pour venir soutenir, dans le fond, différents projets de recherche dans les départements. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'un projet conjoint a été dessiné avec l'oncologie médicale. Je vois d'ailleurs ma collègue Marie-France Vachon qui est dans la salle. Donc, un projet conjoint qui a été demandé via une demande de subvention Scale AI, une subvention qu'on a reçu par la suite quelques mois plus tard et qui nous a permis de lancer le projet de GRAY-OS.
Donc, avec ce projet-là, on visait différents objectifs qui étaient très ambitieux. D'une part, on voulait optimiser l'utilisation de nos salles en radio-oncologie. On voulait également réduire les délais d'attente pour notre clientèle. On voulait également réduire la charge de travail associée à la planification des rendez-vous, parce que, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, c'est une tâche qui est très complexe. On voulait également réduire le temps supplémentaire dans le département et augmenter la satisfaction de notre personnel, mais surtout augmenter la satisfaction des patients. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Raphaël qui va venir vous parler, vous expliquer ce qu'est GreyOS. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je voudrais indiquer que j'ai un conflit d'intérêt puisque je travaille chez Grey. Merci Caroline pour la présentation. Donc, chez Grey, on est une jeune entreprise montréalaise fondée en 2019 par deux doctorants en physique médicale, donc André Diamant et Marc-André Renaud, avec trois de leurs professeurs. Et en fait, cette équipe apporte des connaissances cliniques par le biais de la physique médicale, mais aussi des compétences en programmation et en recherche opérationnelle. Et en fait, l'objectif de l'équipe, c'était d'apporter à la réalité clinique, finalement, les résultats de leurs travaux en recherche opérationnelle. Et c'est un petit peu ça, effectivement, la genèse, si vous voulez, avec la collaboration avec le CHUM. Et donc, au bout de près de deux ans de co-développement, on a mis au point une solution qui s'appelle GreyOS, donc OS pour Operating System. Donc, finalement, c'est un système d'exploitation qui permet l'optimisation, l'automatisation et la coordination des opérations en cancérologie. Donc, dans notre contexte, qu'est-ce qu'on appelle opération ? Finalement, c'est la gestion des activités liées à la prise de rendez-vous de patients. Donc, ce logiciel, pour répondre aux enjeux qu'a mentionné Caroline, il est composé de trois modules principaux. Et le premier module, c'est un outil de planification des rendez-vous de patients automatisé et transversal. Comme l'a mentionné Caroline, le processus de planification des rendez-vous, c'est un processus qui reflète finalement la complexité des soins en cancérologie. Et j'aimerais que vous mettiez dans la peau finalement d'une technologue au rendez-vous qui planifie chaque jour tous les rendez-vous de patients. Elle doit prendre en compte toutes les contraintes qui ont été mentionnées. Elle doit se poser plein de questions. Est-ce que la machine est disponible ? Est-ce que le médecin est disponible au moment où je dois débuter mon patient ? Est-ce que je vais pouvoir débuter mon patient dans les temps ? Est-ce que le patient va pouvoir être sur la même machine tout au long de son traitement ? Ou est-ce qu'on va devoir le changer de machine ? Est-ce que les accessoires sont disponibles ? Et pour faire ça, il faut vous imaginer que vous avez plusieurs systèmes sur votre ordinateur, plusieurs fenêtres ouvertes, et que manuellement, vous devez regarder le planning de chaque machine, de chaque personne, pour vous assurer que vous planifiez correctement les rendez-vous de votre patient. Avec GreyOS, on a complètement automatisé cette portion-là du travail. Donc maintenant, en quelques clics, les technologues sont capables de planifier un patient, voire même plusieurs patients en un seul coup, et tout en optimisant l'utilisation des ressources. On parle d'un outil transversal, parce que comme l'a expliqué Caroline, l'outil est déployé à la fois en radio-oncologie et en oncologie médicale, ce qui permet une meilleure coordination des activités. Le deuxième volet du logiciel, ce sont des tableaux de bord en temps réel, parce que comme Grey est connecté en temps réel avec les systèmes de l'hôpital, on a accès aux données et finalement, on a pu travailler avec les gestionnaires pour définir quels sont les indicateurs pertinents pour leur permettre de gérer leur département. Et donc, par exemple, ça permet en oncologie médicale rapidement d'identifier quand il y a beaucoup de patients, quelles sont les journées où finalement on pourrait ajouter un patient supplémentaire, ce qui avant était fait manuellement et prenait beaucoup de temps. Le dernier volet de l'outil, c'est un outil de gestion des protocoles et des plans de soins. Comme l'a mentionné Caroline, on sait qu'on a un problème de pénurie de personnel et de rotation de personnel, ce qui fait que quand les gens partent, ils partent avec toutes leurs connaissances cliniques, finalement, parce qu'il y a beaucoup de règles tacites qui ne sont pas verbalisées, qui ne sont pas écrites, mais juste dans la tête des gens qui travaillent.
Et donc, malheureusement, quand les personnes partent, elles partent avec leurs connaissances et ça a un impact finalement sur l'efficacité du processus de planification. Il faut en quelque sorte tout recommencer depuis le début. Maintenant, avec Greywest, on a digitalisé en fait ces connaissances et ça permet de les sauvegarder pour limiter l'impact négatif de la rotation de personnel. Comme je l'expliquais, GreyOS a été vraiment déployé au niveau du centre intégré de cancérologie. Donc, on est déployé dans deux départements. On résout des problématiques légèrement différentes dans les deux départements, mais les équipes utilisent un même outil. Un même outil qui permet de mieux coordonner les départements. Par exemple, quand un patient doit recevoir de façon concomitante des traitements en radio-oncologie et en oncologie médicale, en oncologie médicale, on est capable de voir que le patient a un traitement le matin, par exemple, et donc qu'il ne faut pas planifier un rendez-vous en radiothérapie au même moment. Donc, je pense que l'objectif qu'on a, en tout cas l'équipe organisatrice, et Stéphane et Caroline aujourd'hui, c'est vraiment de favoriser, de pousser qui voudrait à lancer des projets de co-développement. Et donc, je voudrais vous donner un peu une idée de ce que ça représente, à quoi ça ressemble et puis à quoi ça ne ressemble pas. En fait, le co-développement, ce n'est pas du tout un processus séquentiel. Toutes les étapes que vous voyez sur la slide derrière moi, elles ont été faites, elles sont nécessaires, mais ce n'est pas aussi simple que ça. La première étape, évidemment, c'est de définir les objectifs. Qu'est-ce que c'est les objectifs des équipes du CHUM, les enjeux? Et puis définir des hypothèses. Par exemple, on a émis l'hypothèse en début de projet que le logiciel permettrait de, par exemple, réduire les délais d'attente ou d'optimiser l'utilisation des ressources. On a fait ces hypothèses parce que c'était les résultats de recherche opérationnelle. On a structuré les équipes, et puis ça, on a eu vraiment beaucoup de chance avec le CHUM. On avait vraiment des structures d'équipes qui étaient très bien définies. On avait des super utilisatrices et des super utilisateurs qui sont des personnes qui ont vraiment, qui sont sur le terrain, qui ont les connaissances, mais qui ont aussi cet état d'esprit de vouloir tester, de vouloir innover, de vouloir questionner les façons de faire. On avait des comités opérationnels qui étaient composés de co-gestionnaires, de physiciens médicaux, d'infirmières pour régler, si vous voulez, les enjeux qui peuvent apparaître et trouver des solutions ensemble. Et puis on avait des comités plus stratégiques à envergure plus de l'hôpital entier avec toute l'équipe du département de l'innovation pour régler des sujets comme comment est-ce qu'on accède correctement aux données ou comment est-ce qu'on peut signer des contrats avec notre entreprise. Puis bon, l'étape évidente, c'est le co-développement, donc la création de l'outil. Puis on peut se dire qu'on a défini quel outil on en a créé, puis on forme les équipes et ensuite on lance le logiciel et c'est fini. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'en fait, le co-développement, c'est un processus itératif qui est en continu. Nous, on avait beaucoup de chance d'avoir vraiment une belle proximité avec les équipes, c'est-à-dire qu'on était souvent au CHUM à parler avec les gestionnaires, à parler avec les utilisateurs de l'outil. On avait aussi adopté finalement leur méthode de communication. Donc, par exemple, les technologues utilisaient Teams, donc on s'est mis sur Teams. Et de cette manière, quand on a lancé l'outil, si vous voulez, officiellement, on a tout de suite pu avoir cette boucle de communication très rapide où elles nous informaient quand est-ce qu'il y avait des bugs ou toutes les idées d'amélioration qu'elles avaient. Donc, on pouvait continuer à construire là-dessus pour toujours améliorer l'outil. Cependant, c'est aussi facile quand on est pris dans cette boucle de développement perpétuel de se rendre compte que parfois, on continue à construire, mais on s'éloigne un peu des hypothèses et de l'objectif initial du projet. Donc, c'est dans ce cadre-là que c'est toujours important de monitorer et ajuster, de prendre, par exemple, tous les 6 mois le temps de se dire, OK, ce qu'on a construit, ce qu'on continue de construire, est-ce que ça répond vraiment aux enjeux initiaux? Et puis, je pense que Stéphane va vous en parler un petit peu plus. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un peu des enjeux qu'on a eus durant le développement. Je vais vous parler surtout des deux
plus grands enjeux, parce qu'il y en a eu une panoplie, évidemment. Comme dans tout projet, on va avoir des embûches, mais les deux plus importants qu'on a eu, c'est l'adoption et l'utilisation. Au niveau de l'adoption, c'était surtout en radio-oncologie. On a parti au début, puis on avait de la misère à convaincre les technologues d'utiliser l'outil pour l'ensemble des patients. Donc, au début, utilisé pour quelques patients par semaine, puis ça prenait beaucoup de temps à monter en volume. On voulait y aller graduellement, mais c'était trop lent comme on voulait. Les raisons derrière ça, il y en avait de multiples. Un, c'est qu'on a eu deux équipes de technologues, parce que c'est souvent un poste qui est occupé par des gens qui vont tomber en congé de maternité. Donc, le temps qu'une des équipes s'est approprié le projet, puis a beaucoup participé et a énormément aidé à améliorer, elle est partie, cette équipe-là, puis il fallait recommencer un peu à zéro avec la prochaine équipe. Donc, on a dû recommencer toute la gestion de changement, puis donner le temps aussi aux technologues de s'approprier l'outil et de pouvoir contribuer à l'améliorer. Un autre des problèmes qu'on a eu, c'est aussi, qu'on a mentionné, c'est un peu l'ambiguïté des informations qui arrivaient vers l'outil. Donc, l'outil, lui, veut automatiser. Il a besoin d'avoir toutes les informations pour être capable de produire un horaire qui fonctionne pour le département. Et on a réalisé, en fait, on pensait avoir un système d'information qui avait les données claires, mais on a réalisé qu'il y avait des lacunes et que les technologues devaient, en fait, compenser énormément, qu'elles passaient beaucoup de temps à ramasser toutes ces informations-là. Et donc là, on manque d'informations pour l'outil et donc il ne peut pas produire. Donc là, on va travailler pour améliorer cette situation-là et aussi donner peut-être des points d'entrée pour que les technologues puissent compléter l'information qui manque pour aider l'outil à faire son travail. L'autre chose au niveau de l'adoption, c'est aussi que les premières versions de l'outil produisaient un horaire qu'il fallait ensuite transcrire dans notre système d'information. Donc, ça rajoutait plus d'étapes aux technologues. Donc, c'était une tâche difficile. Donc, il fallait développer plus l'outil pour permettre d'automatiquement transiger les données de l'outil vers le système d'information qu'on utilisait autant en radio-oncologie qu'en oncologie médicale. Puis, finalement aussi, c'est que les technologues, ils vont souvent essayer d'améliorer la situation ou faire des cas urgents où il faut comme fignoler les choses, des fois un peu ne pas respecter certaines règles en s'assurant que le département est d'accord, comme planifier un patient dans l'heure du lunch si c'est un cas urgent qu'il faut absolument débuter. Ou encore mettre des patients en double book, là, donc en surplus. Des choses que l'outil, on ne lui permet pas de faire parce que c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, c'est sûr qu'il manquait cet aspect-là pour permettre ultimement aux technologues de faire ces ajustements-là si nécessaire. Donc, on a mis en place plusieurs actions pour essayer d'améliorer cette situation-là. Et donc, on a développé l'outil pour permettre d'avoir ces ajustements-là manuels. On a aidé les technologues, on les a encadrés, on les a aussi écoutés pour aller chercher l'information qui manquait, les choses qu'on avait besoin de savoir afin d'améliorer l'outil et peut-être aussi changer un peu nos processus. Puis on a aussi, mis en place là, des groupes de travail pour améliorer l'organisation clinique, donc de s'assurer que l'information qu'on reçoit soit le moins ambiguë. Ceci va aider non seulement l'outil, mais aussi les gens qui travaillent, les technologues, ils auront moins à travailler, à aller chercher l'information un peu partout. On avait l'autre grand enjeu, c'était l'utilisation. Donc, on a réussi à atteindre une bonne adoption en radio-oncologie. Et en oncologie, ça a été quand même une adoption très rapide à 100%. Mais au niveau de l'utilisation en radio-oncologie, même si les gens l'utilisaient, il y avait toujours cet aspect de manipuler les résultats qui sont produits par l'outil. En oncologie aussi, un peu, on a des ajustements qui se font pour diverses raisons. Donc, on ne comprenait pas exactement pourquoi. Puis, on voudrait, en fait, ultimement avoir un outil qui produit un horaire qui convient à tout le monde.
Donc, c'est quelque chose qui va être à explorer, là, de mieux comprendre pourquoi les utilisateurs modifient les résultats. Parce que dans tout ça, on avait défini les objectifs, comme Caroline les a expliqués, puis on veut réduire les délais, donc c'est des objectifs à grand ensemble. Puis on a des gens qui travaillent patient par patient, donc c'est des fois difficile de voir l'ensemble. L'outil, peut-être, lui, il a une vue plus d'ensemble. On espère développer quelque chose qui va avoir une vue d'ensemble, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi le particulier dans tout ça. Donc là, au niveau de l'utilisation, on voudrait atteindre un niveau où il y a beaucoup moins de modifications des résultats de l'outil. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est évidemment de s'assurer que l'équipe en entier communique, autant les gestionnaires, les développeurs, les utilisateurs, pour comprendre un peu la situation puis comprendre les différentes sources des enjeux qu'on a, qu'on vit avec l'outil, afin de pouvoir l'améliorer puis de s'assurer que tout le monde en profite. On a mentionné aussi qu'il ne faut pas perdre de vue les objectifs initiaux. Puis, je pense que dans tout projet, c'est important d'avoir une mesure si on a atteint les objectifs. Puis, en fait, aussi de comprendre si ce qu'on développe, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble des utilisateurs. Et pour ça, il faut avoir une mesure d'évaluation de l'impact de l'outil. Ça requiert des hypothèses, comme on les a mentionnées au début de la présentation. Nous avions des objectifs clairs, puis à partir de ces objectifs-là, on peut mettre en place des hypothèses de qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et pour mesurer ces différents objectifs, il nous faut des indicateurs. Donc, on peut avoir des indicateurs quantitatifs où on va mesurer vraiment les délais, par exemple, par patient, où on va mesurer peut-être le taux d'annulation des rendez-vous, où on va mesurer le nombre de fois que les patients ne se présentent pas, ou peut-être les retards entre le rendez-vous puis l'arrivée du patient, ainsi de suite. Donc, on a des indicateurs qu'on peut mesurer dans les données qu'on a du système d'information qui est à la base de tout ça. On peut aussi avoir des indicateurs un peu plus qualitatifs qui vont être, par exemple, juste l'impression des utilisateurs, leur appréciation de l'outil. Donc, on a donc une panoplie d'indicateurs qu'on a établis, puis on a décidé de les mesurer. Pour pouvoir faire ça, évidemment, ça prend des ressources, ça prend du temps. On a réussi à décrocher un financement FSISS pour mesurer l'impact de la mise en place en clinique de cet outil. C'est un projet sur 2 ans, c'est un financement sur 2 ans qui requiert à toutes les 6 mois de faire un rapport qui justement mesure tous ces indicateurs-là et qui essaie d'établir comment le projet avance. Nous avons donc réussi, on a aussi fait une mesure en temps zéro, donc avant la mise en place de l'outil, on a fait une mesure des indicateurs, autant quantitatifs que qualitatifs, donc on a envoyé des sondages. Et après 6 mois, on a refait l'exercice. Et ceci nous a permis de voir des résultats. Donc, dans l'ensemble, c'est assez positif. On a réussi à atteindre 100% d'adoption, surtout en oncologie médicale. En radio-onco, on est proche, on est comme à 95-98%. Donc, la majorité des patients passent par l'outil d'optimisation, ce qui est très bien. On évalue à peu près à 50% de gains en temps, donc la moitié du temps pour planifier les patients. Ça, c'est pour l'ensemble, mais disons, en radio-onco, c'est un petit peu moins parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. Il y a quand même les étapes de ramasser de l'information. On espère couper dans ce temps-là aussi. En oncologie, il y a vraiment des grands gains. C'est très intéressant. Puis, si on regarde patient par patient, on peut avoir des patients en radio-onco qui prennent, ça coupe juste 20% du temps, mais il y en a d'autres que ça va aller chercher jusqu'à 80% du temps quand on a toute l'information, puis ça passe tout droit. On a aussi un gain en efficacité. Qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est au niveau de la charge de travail qu'on est capable de produire grâce au fait que l'outil va optimiser les horaires et va être capable de remplir l'horaire tout en distribuant la charge de travail à travers les... dans ce cas-là, c'est l'oncologie médicale, donc les infirmières. Fait qu'elles n'ont pas l'impression de travailler plus, mais elles vont couvrir plus de patients. Donc, on a un gain de 4,5%. Ce qui est quand même significatif, là, ça représente quasiment 11 heures de travail là, de patients traités. Donc, c'est un grand gain à ce niveau-là.
On évalue à peu près là, un gain monétaire, disons, par année de entre 70 à 300 000 $ canadiens. Donc, c'est quand même un beau succès à ce niveau-là, puis on n'a pas encore terminé le projet. Au niveau plus individuel, quand on sonde les utilisateurs ou les différents intervenants qui font affaire avec l'outil, on a une bonne cote positive. Donc, les utilisateurs sont très contents d'utiliser ce logiciel-là. Mais des fois, il y a quand même certaines personnes qui trouvent ça plus difficile. Puis, on a eu aussi des surprises où, dans le département de Radio-Onco, par exemple, on va blâmer l'outil pour les double books, pour certaines choses que ce n'est pas l'outil qui peut le faire. Donc, c'est intéressant parce que les gens sont comme conscients qu'il y a quelque chose et ils vont, bien qu'il n'y ait pas eu de changement à ce niveau-là, ils vont quand même blâmer l'outil. Donc, on travaille sur mieux communiquer un peu les objectifs de l'outil, puis qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Puis ça nous fait aussi un peu comprendre la réalité, peut-être plus aux salles. Donc, c'est intéressant comme sondage, pas juste pour évaluer l'outil, mais aussi pour voir l'état de notre département et mieux comprendre. Et je vais laisser Caroline faire la suite. Merci. Merci Stéphane. Comme vous voyez, on a déjà des beaux résultats qu'on est capable déjà de constater dans le cadre du projet, mais c'est sûr que pour nous, on va continuer à poursuivre les travaux d'amélioration, puis je vais vous en parler un peu plus en détail dans les perspectives futures du projet. Mais par contre, au moment où est-ce qu'on en est rendu dans le projet et vu qu'on faisait une présentation là, des résultats de nos travaux, on trouvait ça important de vous communiquer quels étaient selon nous les facteurs clés de succès qui nous ont permis là, de mener à bien cette démarche collaborative avec GreyOS. Donc, pour en nommer quelques-uns, bien, c'est certain que dans des projets d'une telle ampleur, c'est certain que le financement, c'est quelque chose qui est important, un financement pour mener les travaux, là, notamment avec Grey. Mais il faut aussi parler du financement en temps, de ressources au niveau de nos équipes pour la radio-oncologie. Je vous dirais qu'il y a plusieurs centaines d'heures qui ont été mises dans le projet. Moi, je pense que personnellement, depuis 2 ans, on a des rencontres statutaires aux 2 semaines avec Grey. Je ne parle pas des comités stratégiques, je ne parle pas des comités opérationnels, je ne parle pas de tout le travail qui est fait auprès des équipes là, pour venir légitimer sans cesse le projet de changement qu'on a déployé. Donc, c'est un investissement qui est vraiment, qui est somme toute important. Un autre point que je trouvais important de mentionner, c'est la question de la flexibilité. On a eu une chance parce qu'avec le financement qu'on a eu de FSI-SSS, ça nous a permis de poursuivre en fait la collaboration avec Grey. Et je vous dirais que ça a été pour nous un volet important parce que si le projet, on avait décidé de le terminer tel qu'il avait été défini dans la phase 1 après 2 ans, je peux vous garantir qu'on n'aurait pas eu des aussi beaux résultats et que nous, dans notre tête, il reste beaucoup de gains à aller chercher avec Grey dans la poursuite de notre collaboration là, avec les équipes. On a aussi, je vous dirais, mis en place une structure de gouvernance qui était claire avec des rôles et des responsabilités qui ont été clarifiés auprès de nos acteurs clés, qu'on parle du rôle du gestionnaire, le rôle du chef de service dans le département, des assistants de chef qui ont bien compris leur rôle. On avait notre responsable des systèmes d'information, Grey, le corps médical. Tout le monde savait quel était son rôle dans le cadre du projet. Je peux vous dire que ça a été grandement facilitant. Stéphane vous a également mentionné que dans le projet, bien évidemment, comme tout projet de grande ampleur, on a rencontré plusieurs embûches et que lorsque les embûches ont été rencontrées, c'était important de revenir à c'était quoi nos objectifs de départ, quels étaient les résultats visés et que ça, souvent, je vous dirais que ça nous a permis de ramener les discussions sur les bons objets et ça nous a vraiment permis de bien nous aligner là, pour la suite des travaux. J'ai nommé également la compréhension mutuelle parce que je pense que ça doit transparaître dans la présentation. On a vraiment développé une belle relation de confiance là, avec l'équipe de GreyOS. Je pense que cette relation-là, elle a été possible grâce à une compréhension mutuelle des enjeux que nos entités respectives avaient.
En fait, on est des organisations qui sont complètement différentes. On a GreyOS qui, il y a 2 ans, était une petite start-up, une petite équipe, pas très structurée, si je peux dire, en termes de gestion de projet. Donc, il y avait beaucoup à apprendre de leur côté à ce niveau-là. Et de notre côté, bien, on est le CHUM, on est une grande machine, on a des processus qui ne sont pas très, très flexibles. On n'est pas aussi rapide qu'eux, pas aussi agile peut-être à développer des projets de cette ampleur-là. Mais je peux vous dire qu'il y avait vraiment une compréhension mutuelle de nos enjeux respectifs, puis qu'à travers tout ça, parce qu'on avait une bonne communication, je vais en parler plus tard, on a réussi à résoudre nos enjeux et bien travailler ensemble durant les 2 dernières années. Si je peux rajouter quelque chose, un point qui nous semblait important, c'est toute la question de la gouvernance claire et structurée. Donc, on avait un comité de gestion stratégique conjoint avec l'oncologie médicale et la direction du CHUM, là, donc des directeurs qui étaient impliqués, Cathy Malas avec la direction de l'innovation. On avait des comités stratégiques, nous, à même la radio-oncologie, avec des comités opérationnels. Donc, le fait d'avoir des comités, je vous dirais que ça nous a permis de garder un certain tempo dans le cadre du projet, parce que quand un projet s'étire sur 2 ans, ça peut être facile de perdre un peu la priorité du projet. On perd un espèce de momentum, mais là, considérant qu'on avait de la reddition de comptes qui venait régulièrement, puis des suivis vraiment standards qui étaient prévus à nos horaires, bien, ça nous a permis de maintenir le cap, puis de garder, si je peux dire, l'intérêt sur le projet. On avait une très bonne communication, Raphaël en a parlé un peu plus tôt, là, mais on a vraiment eu une communication transparente, ouverte tout au long du projet et on a même permis à Grey de rentrer vraiment en communication directe avec nos équipes. Donc, il n'y avait pas d'intermédiaire là, pour parler avec notre personnel. Et je peux même vous dire que personnellement, quand je fais des tournées de personnel, des fois, je voyais l'équipe de Grey qui était sur mon département avec mes équipes, puis en fait, ils étaient toujours les bienvenus et ça l'a permis justement de faciliter aussi la collaboration avec nos gens du terrain et de développer justement la confiance que les équipes avaient envers Grey et le projet qu'on est en train de mettre en place. On a eu aussi le soutien d'acteurs clés. On a parlé plutôt de la direction de l'innovation qui nous a permis de dénouer, disons, des enjeux un peu plus stratégiques là, quand on parle d'aller chercher du financement, d'avoir des contrats légaux avec la compagnie, de donner accès à Grey à certaines données pour connecter nos systèmes d'information les uns envers les autres. Je vous dirais que ça a été grandement facilitant. Au niveau de la radio-onco, on a eu le corps médical qui a été impliqué là, tout au long du projet, avec un projet qui a été initié par notre chef médical, le Dr. Roberge, et même avec ses successeurs, la collaboration, en fait, là, s'est poursuivie dans le cadre du projet. Soutien d'acteurs clés, mon personnel aussi, là, qui a été vraiment hyper dédié au projet et très, très, très impliqué. Donc, ça nous a permis là, de mener à terme, en fait, le projet. Si j'avais un point à dire, moi, qui a été fondamental, puis je pense que sans ça, on ne serait jamais arrivé avec des résultats positifs, c'est la démarche de co-développement qu'on a mis en place. Sigrid est arrivé avec sa propre solution, son logiciel avait essayé de le déployer en radio-onco, ça n'aurait jamais, jamais, jamais fonctionné. Donc, le fait que ça a vraiment été un projet qui a été co-construit, puis vraiment co-construit avec les équipes, et c'est encore co-construit à l'heure où on se parle, il y a toujours des améliorations qui sont faites. Ça a vraiment été la clé, en fait, du projet, donc l'implication là, des équipes terrain dans tout ça. Je tiens aussi à mentionner, pour moi, ça a été un point important, puis je le mentionne régulièrement, le fait qu'on avait un langage commun. On ne l'a pas mentionné plus tôt, mais Marc-André, qui est le cofondateur de Grey, est un physicien médical de formation. Donc, quand il est arrivé dans le département, il maîtrisait très bien notre jargon, puis la radio-onco, c'est complexe quand même, on va se le dire. Donc, le fait que Marc-André maîtrisait notre jargon, comprenait notre milieu, ça a vraiment été un facteur extrêmement facilitant dans le cadre de nos démarches. Donc, dans les perspectives d'avenir, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais nous, c'est certain qu'on poursuit, en fait, le co-développement avec Grey. Et pour nous, notre prochaine étape, c'est que Grey va nous aider à trouver des pistes de solutions pour mieux prioriser les patients dans le département.
En ce moment, la priorisation, elle se fait par nos technologues qui s'occupent des rendez-vous via les différents niveaux de priorité ministérielle. Mais je vous dirais que dans un contexte, puis je sais qu'on n'est pas le seul département au CHUM là, qui vit ces enjeux-là, mais dans un contexte où ce n'est pas possible de traiter à temps tous les patients, comment on fait pour les prioriser? Dans cette perspective-là, on a essayé de mener un exercice de priorisation justement dans le département parce que si on veut optimiser la priorisation des patients, bien, il faut donner à Gray, ça va être quoi les règles de comment on priorise les patients. Donc, il faut alimenter la machine, là, si je peux dire. Donc, dans le département, on a essayé de faire une tentative d'exercice de priorisation qui a rassemblé en fait le corps médical. Donc, on a fait deux groupes de discussion avec les médecins là, qui ont, comme toujours, bien participé là, à l'exercice. Et on est arrivé au constat que l'exercice de priorisation, il était impossible à faire parce que la réalité de chaque patient est tellement différente qu'à l'intérieur d'une même catégorie de patients, il y a tellement de nuances à aller chercher qui vont influencer la décision que ça a été un exercice qui a été difficile à faire. Vous pouvez voir là, à l'écran, on a un graphique là, qui explique en fait l'exercice qu'on a tenté de faire. En fait, on a essayé d'évaluer dans quelle mesure pour traiter à temps un patient de priorité 1, qui est un patient un jour, dans quelle mesure je serais prête à faire attendre un patient de priorité 2, de priorité 3 et de priorité 4. Donc, on a essayé de faire l'exercice et c'est là qu'on s'est dit « c'est impossible à faire » parce qu'à l'intérieur d'une même priorité, par exemple une priorité 4, on peut penser notamment à nos patients de cas de cancer de prostate qu'il faut traiter en 28 jours. Il y a tellement de variabilité à l'intérieur de ces patients-là. Un patient de cancer de prostate peut être un patient à haut risque avec un niveau de PSA qui a augmenté de façon importante dans les derniers mois où est-ce que la tumeur est répandue dans l'ensemble de sa prostate. Il n'y aura pas le même niveau de priorité qu'un patient à bas risque. Mais aux yeux du ministère, c'est un patient P4 28 jours. Mais nous, on essaie d'aller justement chercher cette nuance-là de différence des patients pour être en mesure par la suite de donner l'information à Gray pour que lui, s'il lui a planifié une multitude de patients, il va être capable de nous trouver le scénario idéal pour l'horaire. Donc, bref, on en arrive à la conclusion qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas s'en sortir, on a vraiment besoin de considérer le contexte unique de chaque patient. Et dans nos prochaines étapes, on va essayer de voir c'est quoi la meilleure façon pour nous capter l'information à l'intérieur même du plan de soins du patient pour que Gray se serve de l'information pour après ça nous organiser l'horaire optimal, sachant que des patients peuvent déborder et qu'il n'y a aucun impact clinique versus pour d'autres, pour qui le délai serait critique là, pour les chances de rémission, par exemple, du cancer. Alors, dans les perspectives d'avenir, bien, comme je vous dis, on poursuit le co-développement donc à l'intérieur de la priorisation. Donc, on veut faire une programmation en lot des rendez-vous parce que si on poursuit dans notre logique de « on fait un rendez-vous, on planifie un patient à la fois », on n'est pas en mode d'optimisation d'un ensemble, comme le disait Stéphane. Donc, avec l'exercice de priorisation, on va aller vers la programmation en lot des rendez-vous. Une autre étape là, qu'on discute depuis un certain bout de temps, c'est d'être en mesure de moduler le temps de traitement des patients selon la réalité propre de chaque patient. En ce moment, en radio-oncologie, pour certains plans de soins, certains traitements, on planifie d'emblée des traitements de 25 minutes pour tous les traitements des patients. Mais on le sait avec l'expérience que certains patients, c'est juste un patient qui est un jeune patient qui n'est pas à mobilité réduite, par exemple, qui est à son 15e, 20e traitement, ça ne lui prendra sûrement pas 25 minutes. Ça va lui prendre moins de temps. Donc, avec toute l'intelligence que Gray est en train de nous bâtir, on aimerait ça être en mesure de prédire le temps exact que ça va prendre pour chaque patient pour son traitement et organiser l'horaire de traitement, justement, en conséquence. Un dernier point qui a été, je crois, souligné brièvement dans la présentation, quand on a initié le projet de Gray, il y avait vraiment deux volets. Il y avait un volet de venir optimiser l'horaire de traitement des patients, mais il y avait aussi tout un volet stratégique là, qui était en fait un outil de simulation pour venir éclairer la prise de décision en cancérologie. Je vous dirais que cet outil-là, on l'a travaillé initialement, mais qu'on a décidé de prioriser l'outil pour la planification des horaires, mais certainement qu'on va s'y repencher là, dans le futur. En fait, c'est l'outil de simulation nous permet de venir tester des hypothèses comme gestionnaire, de venir tester différentes solutions.
Par exemple, comme gestionnaire, j'ai une liste d'attente, elle déborde. Ça devrait parler à plusieurs gestionnaires s'il y en a présents dans la salle. Donc, j'ai une liste d'attente, elle est importante, mais l'outil pourrait venir me permettre de venir tester différentes solutions pour résoudre mon problème. Par exemple, est-ce que c'est mieux d'ouvrir une fin de semaine, on ouvre deux jours, un samedi ou dimanche, ou c'est mieux de prolonger l'horaire de traitement à raison de une heure par jour pour une période de X temps? C'est quoi la meilleure solution entre les deux? Eh bien, l'outil de simulation permettrait vraiment de tester les différents scénarios pour trouver la meilleure solution possible. Donc, ça, c'est un projet là, qui est défini pour la radio-oncologie, pour ce volet-là. Mais il y a des projets, probablement que le CICC pourra venir vous en reparler, là, mais des projets de simulation, mais à la grandeur de la grande trajectoire de la cancérologie. Donc, la simulation qui viendrait tenir compte de tout ce qui se passe au niveau du diagnostic d'un patient, chirurgie, onco, radio-oncologie. Donc, être capable d'avoir vraiment la vision globale pour les patients. Donc, ça, c'est des travaux qui sont en cours actuellement. Donc, ça fait le tour de notre côté. Merci à tous. Merci, merci. Félicitations pour cette merveilleuse présentation avec un degré de vulgarisation extrêmement important qui nous permet de comprendre une réelle application de l'IA ou de nouvelles technologies dans le milieu de la santé. Vous avez suscité beaucoup de commentaires d'effervescence en fait en ligne, dans le clavardage sur LinkedIn Live. On a plusieurs questions. Les gens dans la salle, deux micros sont disponibles si vous voulez adresser vos questions directement aux panélistes. Je vais commencer par une question qui nous provient de LinkedIn Live. En fait, vous avez parlé beaucoup du processus de co-création, des impacts. Notre communauté aussi inclut des gens qui sont curieux de la saveur technologique. Donc, je me permets un peu de rassembler quelques commentaires. Qu'est-ce qui se cache d'un point de vue technologique comme algorithme derrière la solution? Et c'est quoi les perspectives d'avenir pour aller encore plus loin dans un mode plus prédictif? Je vais prendre la question. Greywest, c'est un logiciel qui, comme je l'expliquais, est dérivé de résultats en recherche opérationnelle. Donc, en fait, ce sont des algorithmes qui sont dérivés de la recherche opérationnelle et qui permettent, en fait, d'optimiser l'utilisation des ressources grâce à ces algorithmes de façon automatisée. Concernant le deuxième volet, oui, c'est sûr qu'on a envie de rajouter une couche peut-être plus importante d'intelligence artificielle et de prédiction. Et en fait, c'est exactement ce que décrivait Caroline avec l'outil de simulation. En fait, on va essayer de prédire en créant des modèles de la trajectoire de soins en cancérologie entière, pouvoir prédire quels sont les modèles de trajectoire et donc quels sont les patients les plus probables qui vont rentrer dans la trajectoire pour permettre de prendre des décisions, de tester des scénarios et prendre les meilleures décisions opérationnelles et stratégiques possibles. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui aimerait adresser une question à nos conférenciers, conférencières? Sinon, j'irai avec une autre. En fait, dans les commentaires, c'est souvent revenu. On est très choyé au CHUM d'avoir accès à ce genre de co-création, de collaboration. Est-ce que c'est éventuellement un projet qui pourrait être répliqué ou diffusé, bénéficier à d'autres établissements dans le réseau de la santé? Oui. Donc, oui, bien sûr. Et même déjà, Gray a des projets là, avec le centre à Laval de traitement. Donc, il déploie la solution là-bas, autant en radio-oncologie qu'en oncologie médicale. Et donc, le développement qu'on fait au CHUM, on peut, après ça, bien, ce produit-là va être comme disponible et vendu pour d'autres centres. Donc, on va profiter de tout ce qu'on a développé, toute l'expertise qu'on a développée aussi, puis pour que les autres puissent en profiter. Oui, définitivement. Excellent, merci. On a une question dans la salle.
Oui, bonjour. Félicitations pour la présentation très pertinente et concrète. J'ai une petite question. En fait, vous avez parlé que les deux enjeux majeurs étaient l'adoption, l'utilisation. Puis, je me demandais, avec du recul, après avoir passé au travers de ce que vous avez vécu, est-ce que vous aviez des indices au préalable sur le niveau de, excusez l'anglicisme, là, mais de « readiness » des équipes? Aviez-vous déjà certains indices qui auraient pu vous aider? C'est par simple curiosité. Merci. Je peux peut-être donner un élément de réponse. En fait, quand on a lancé le projet, comme Stéphane l'a expliqué, au départ, on avait une équipe qui avait un certain, je veux dire, niveau de maturité là, sur le banc de travail. Puis on avait des équipes qui étaient, c'est ça, très favorables au projet, très emballées, parce qu'il y avait quand même une reconnaissance d'emblée que le logiciel qu'on utilisait dans le passé était dysfonctionnel, là. Donc ça, je vous dirais qu'en partant, ça nous a beaucoup aidé à venir légitimer le projet parce que l'outil de travail principal ne plaisait pas là, à l'équipe des rendez-vous. Je vous dirais qu'où est-ce qu'on a commencé à rencontrer des difficultés, c'est quand notre équipe a changé, là. Complètement. Là, nos super utilisatrices sont parties en congé de maternité. Là, il a fallu repartir de zéro avec une nouvelle équipe. Donc ça a été peut-être un élément plus difficile, mais c'était quand même un enjeu qu'on avait anticipé parce qu'on le voyait venir que nos super utilisatrices allaient nous quitter très prochainement. Donc on a essayé de commencer à préparer le terrain en impliquant davantage les futurs technologues au rendez-vous dans notre équipe projet là, pour commencer à les sensibiliser. Merci. Il y avait une question qui était alignée, je dirais, avec votre réponse et la question précédente. Donc, en termes de développement des compétences ou de formation des équipes, vous mentionnez là que vous intégriez certaines personnes dans votre noyau projet. À long terme, si vous voulez avoir « scale up », comme on dit en anglais, quel genre d'approche de formation serait plus appropriée? Je pense que ça va toujours nécessiter de pouvoir avoir cette relation de proximité avec les équipes. La formation, c'est vraiment important. C'est important parce qu'on transmet une information, puis on transmet aussi la confiance en créant ce lien avec les équipes. Je pense que c'est important de former. Et puis, c'est important de voir comment les personnes réagissent aussi à l'outil qu'on leur propose. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup fait attention à ça, on a fait des sondages, mais on peut se rendre compte que dans les sondages, on capte quelque chose, mais il ne faut pas juste sentir au sondage, il faut aller creuser et il faut aller parler directement en fait, avec les équipes pour lever les doutes ou pour ouvrir une discussion quand il y a des doutes. Je peux peut-être continuer un peu. Fait que je pense que là, on est encore en phase développement, fait que cet aspect-là qui est super important. Ultimement, je pense qu'il va y avoir une question de bâtir une documentation. Le soutien, je pense, continue d'avoir quand même le fournisseur qui est disponible. Si jamais il y a des questions un peu plus pointues, ça va être important de continuer à l'avoir. Mais c'est à nous aussi, comme au département, de s'approprier la technologie puis de développer nos connaissances et nos outils de formation par la suite, là, dans le futur. Ouais. Excellent. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que dans la salle, il y aurait une autre question? Juste au fond, Marianne. Merci pour votre présentation. J'avais une question quand vous avez parlé. J'ai trouvé ça super intéressant de l'exercice de priorisation qui était difficile envers les patients, puis chercher la nuance, j'imagine, qui permettrait un peu d'entraîner les données, mais de considérer le contexte unique de chaque patient. Comment, pour commencer le développement de l'outil, vous avez priorisé, justement, quelles données vous avez priorisées? Comment vous avez fait la sélection des données pour commencer ça? Donc, si je peux répondre. Fait que nous, on a un système d'information au Centre intégré de cancérologie qui est Mosaïque. Et quand on a bâti le système d'information-là, on a aussi pensé au futur un peu. Puis, on a essayé de bâtir les informations pour être capable de développer ce genre d'outils-là. Donc, on avait, comme Caroline a mentionné, les plans de soins. Ça, c'est un élément important qui nous permettait d'encoder plusieurs informations dans le plan de soins, dont les priorités. Fait qu'on a calqué les priorités ministérielles, mais en plus de ça, on avait aussi introduit des priorités internes qui permettaient justement aux médecins de peaufiner sur certains cas.
Mais on réalise que c'est difficile de traiter cette information-là. Puis là, on essaie justement de voir comment on peut moduler là-dessus. Puis on a en fait découvert aussi qu'il y avait beaucoup de règles non écrites qui étaient appliquées. Puis c'est grâce aux technologues, en fait, qui nous ont exposé. Puis on a essayé de codifier ça dans l'outil. Donc, on veut développer ça, oui. Ça rejoint certains commentaires d'ailleurs sur LinkedIn qui se demandaient justement s'il y avait des soucis d'interopérabilité entre les différents systèmes pour colliger les réponses, les données. Oui, donc on est quand même chanceux parce qu'on utilise le système d'information pas mal seul. Là. Il y a encore des données un petit peu de couloir, de téléphone, de SMS qu'on essaie de ramener dans l'outil. Mais c'est sûr que quand on travaillait avec Grace, c'était très clair qu'on voulait tout ramener dans ce système d'information-là. Donc, c'est important de tirer les données de là et de les faire revenir. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait adresser une autre question ici dans la salle? Sinon, j'irai avec une autre question qui nous vient en ligne, un peu plus corsée comme question. Donc, Walid se demande que si, par exemple, la priorisation entraîne malheureusement le décès d'un patient, est-ce que à qui revient la responsabilité? Puis tous ces enjeux légaux-là qui sont reliés à l'utilisation de technologies, j'imagine que ça fait partie de vos réflexions. Donc, si vous pouvez nous donner quelques lumières là, par rapport à ce cas ou l'enjeu plus large. Oui, bien, si je peux peut-être avoir une piste de réponse. Dans le fond, tu sais, l'exercice de priorisation, ça reste que nous, on a des délais ministériels à respecter, puis que c'est toujours ça, en fait, la cible, si je peux dire, c'est de respecter les délais ministériels, mais dans un contexte où on a de la difficulté à rencontrer les délais. C'est quoi justement les délais qui ont peu d'impact pour certains types de patients? Si on revient souvent, je parlais tantôt, j'ai donné l'exemple de cancer de prostate ou cancer de sein, bien, au niveau médical, ce que la recherche dit, ce que les données disent, c'est qu'une patiente, si elle est traitée dans un délai de 3 mois post-chirurgie, il ne devrait pas y avoir d'incidence médicale à attendre un petit délai supplémentaire. Là, ici, je parle de 3 mois, nous, on vise 28 jours, donc souvent, si l'outil va permettre de décaler ça, on va parler de quelques jours supplémentaires. On ne se rendra jamais jusqu'aux 3 mois parce que le ministère nous demande un traitement en 28 jours. Donc, c'est juste pour nous donner une petite flexibilité, si je peux dire, dans quel patient peut attendre quelques jours de plus, mais on n'est pas en train de parler de plusieurs semaines là, qui pourraient avoir une incidence plus importante. Et je vous dirais que dans l'exercice de priorisation, on essaie plutôt justement de faire le contraire. C'est qui les patients importants qu'on doit traiter plus tôt? C'est surtout ceux-là qu'on essaie d'aller capter pour pas qu'il y ait d'incidence là, sur ces patients-là. Puis je voudrais peut-être rajouter que la solution qu'on a développée ensemble, ce n'est pas une boîte noire où on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur et ça donne une proposition sans que personne sache ce qui se passe. C'est vraiment, comme l'a mentionné Caroline, des règles qui sont transférées, qui viennent des technologues ou qui viennent des médecins et qu'on implémente dans l'outil. Donc, il n'y a pas vraiment cette perte de contrôle ou de compréhension de ce que fait l'outil. Merci beaucoup pour vos réponses. Malheureusement, l'heure a passé trop vite. J'aimerais vous remercier et vous applaudir chaleureusement pour la qualité Merci. De votre présentation, de votre travail. En guise de conclusion, j'aimerais aussi vous remercier à vous d'être curieux de la transformation de la santé puis de vous impliquer dans celle-ci. À l'École de l'intelligence artificielle en santé, on met à votre disposition plusieurs outils pour aller un peu plus loin, notamment 13 cas que j'ai entre les mains ici, mais qui se retrouvent aussi sur notre site web. Grey Oncology y est d'ailleurs à l'intérieur, donc c'est 13 entreprises qui intègrent réellement l'IA dans le milieu de la santé. Sinon, on a une communauté de pratiques qui s'intéresse autant à la recherche qu'à l'application. Si vous avez envie de venir partager vos connaissances, inscrivez-vous donc au www.eiaschum.ca. Sinon, je vous souhaite un très bel après-midi. Merci d'avoir été là. Merci.